Salut, ici Gilles avec Copixel Prêt. Aujourd'hui, c'est le 19e jour de mon défi de 30 jours de design avec Webflow. Et comme promis ou comme dit hier, je suis repassé sur cette page et j'ai essayé de résoudre tous les bugs. Par exemple, ici, j'avais cette ligne qui était centrée au lieu d'être alignée à gauche. Et là, j'ai trouvé comment le faire. J'ai appliqué. Donc, ici, on peut voir qu'il y a. C'est où? C'est. Non, je vais d'abord sélectionner la ligne. Donc, j'ai appliqué une autre classe pour pouvoir la séparer de celle-ci qui est elle centrée au milieu. Et puis, j'ai enlevé l'alignement auto, donc la marge auto. Donc, voilà, c'est la même chose pour ici. Donc, ça, c'était bon. Et puis, pour le design d'aujourd'hui, j'ai créé une nouvelle page. Donc, la page service. Et puis, j'ai utilisé copier-coller de la section service que j'avais créée déjà sur la page d'accueil. Je l'ai dupliqué ici et puis j'ai changé les classes pour que les changements ici n'affectent pas les changements de la carte sur la page d'accueil. Et puis dupliquer et voilà, customiser. Et puis ici en bas, j'ai créé cette section avec plusieurs options ou bien plusieurs détails. Et voilà, l'autre truc que j'ai fait aujourd'hui, c'était transformer l'en-tête et le bas de page en symboles. Voilà, pour que je puisse les insérer sur les autres pages du site. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était beaucoup jouer avec les classes et aussi la création et l'utilisation des symboles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis déjà à demain pour le 20e jour du défi.